Est-ce que c'est bon? Est-ce que la France est disponible? Je suis excité là. Il a laissé ses lunettes. Il croit que ses lunettes font partie du décor. Tout à l'heure, hors caméra, il laissait son manteau. Le mec s'installe. Il faut savoir qu'on attend Maxime depuis. Moi, depuis 2 heures. Moi, je suis là depuis 11 heures. Voilà, depuis 11 heures. Voici les photos qu'Étienne et Yvan m'ont envoyées sur WhatsApp quand j'ai dit on tourne à 15h30. Il aurait pu avoir une vidéo aujourd'hui où je ne suis pas là. Ça donnerait ça. Donc là, il s'est filmé au pire moment alors. Non, mais what the fuck? Il y aurait quand même eu des zooms. Messieurs, dames, c'est le premier tournage que je reprends depuis que j'ai un deuxième enfant. Le nombre moyen d'heures effectuées par nuit s'affiche sur votre écran. Ouh là là, c'est peu. C'est vrai que j'ai rarement vu avec des cernes comme ça. Des fois, tu sais, dans les commentaires, vous dites oh Maxime, t'as l'air fatigué. Je me dis ah bon, je comprends pas. Tout allait bien pendant ce tournage. Là, vous pouvez, mais je sais pourquoi. Concept simple, efficace. On est dans un monde où même si la mort approche, même si des situations dangereuses sont autour de nous, les gens se disent premier réflexe, est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais courir? Est-ce que je vais faire en sorte de continuer ma vie après cet événement critique? Non, je vais filmer. Alors ça s'appelle pourquoi les gens filment à ce moment-là? Allez, c'est parti. Il y a un avion déjà dans le champ, avant tout, enfin on sait pas ce que c'est en fait, c'est bizarre. Si l'avion s'approche genre et qu'il se crache et que là genre ça fait un TikTok de ça. Mais faut qu'il arrive à le poster avant de mourir et ça c'est dur. Plutôt que te jeter, tu peux jeter ton téléphone. Ah oui, poster ça. Ah là, il vient d'amérir. Ah waouh, ah c'est l'inverse, il est pas dans le ciel, il est dans la mer. Ah ou ah voilà, voilà. Bon voilà, voilà c'est là. Voilà. Okay. Ah mais oui, incroyable. Les types sont pas stressés quoi. Et ils sont en mode c'est un après normal. Bah en vrai, ils sont contents d'être en vie. Il y a toujours ça qui prend le dessus, je pense. Ah bon, ouais, mais il y a toujours une probabilité que les secours t'ont pas vu ou quoi. Ouais. Ah bah d'accord, mais c'est vraiment un après-midi normal. Quelle vie faut avoir pour être aussi détendu? Peut-être ils avaient pied. Mais par contre d'ailleurs ils ont un truc pour flotter. Ils ont clairement un truc pour flotter là. Dans les mains ils ont leur jet de sauvetage. Ah non, elle a son sac à main. Son sac à main Hermès, elle a fait. Mais moi je pense au requin direct. Ah ouais. Mais non. Oh mais t'as trop vu de. De toute façon moi j'aime pas être dans l'eau quand je vois pas le fond. Ah ouais. Ah c'est marrant cette phobie là. Ah je déteste ça moi. Alors une fois j'ai nagé aux Maldives. Ouais voilà. Faut commencer des phrases comme ça, voilà. Je nageais comme ça, je faisais du snorkeling comme on dit, image de snorkeling. Je nage comme ça, tu vois. Donc t'es un peu en train de voler au final au-dessus de 3-4 mètres de fond où t'observes les poissons, c'est incroyable. Et à un moment genre il y a comme une falaise, tu vois, il y a un gouffre comme ça, tu vois. Et j'avais pas vu. J'étais vraiment en mode détente, je nage tranquillement et d'un coup il y a rien et là je me suis dit ah c'est flippant. Par contre ça c'est fou. Ah mais là jusqu'au bout. Toujours plus. C'est l'Amérique. Et on peut noter que il a pris la première place dans la nacelle, hein. C'est ça. Ah oui, c'est sa pote qui est arrivée après. Parce qu'il lui a demandé, attends, je me rends en premier comme ça je pourrais filmer ton arrivée. Bah, bien sûr. Je sais pas quelle est la démarche de base, mais il a dû se dire on croira pas à Noël. Wow. Bon bah voilà, bah, je pense qu'on est dans la thématique, vous avez compris. Nous poursuivons. Oh, alors bah, ça je vais s'en prendre une dans la tronche. Vous le savez, la mer c'est mon truc. Et les mecs qui sont trop proches des vagues, c'est aussi fait partie aussi des compilations que l'algorithme YouTube se dit c'est pour Maxou. Il va y passer quelques temps entre deux biberons. C'est une caméra de surveillance. Ah c'est un porpoise là ouais. Oh, il a disparu. Oui, bah oui mais faut pas. Il est mon fun. C'est terrible. Ouais là je ferais plus là ça. Ça c'est non. Tu sais il a une note avec les trucs où il avait un doute. Ah bah ça finalement non. Je pense sa femme elle est hors champ, genre par ici. Elle avait dit t'approches pas trop enfin. T'es encore allé filmer les vagues. Et le suivant qui est accepté. Non, ça c'est pas. Je m'en connais qui se sont fait décapiter pour moins que ça. Hein. Wow. Dites-moi que c'est la perspective. Bah non. Les journalistes font semblant que c'est normal, j'adore. En fait, il y a le caméraman qui s'est éloigné. Qui se décale. Il a pas fait genre. Non, non, mais voilà, c'est le même gars qui dit vas-y, vas-y, bouge pas. Fais coucou à l'hélico. Lui, il était pas au courant, il a pas eu le brief du matin. Il y aura une équipe de journalistes sur la piste juste après le décollage. Oh putain. J'aimerais trop qu'elle prenne l'hélico et qu'elle s'en aille. Genre, elle est là. Wouh. La météo du jour. En vrai, elle fait son taf, hein. Elle a failli mourir, mais elle le sait pas. Non, mais en oh shit, ça, normalement c'est en même temps que reculer. Voilà, c'est suivi de, de mouvements des foulées rapides. Eh hey, mais ça va faire une vague ça. Oui bah. Ça va la punch qui marche avec tout. T'es dans l'avion prêt à te clasher, à cracher. Ça va faire une vague. Tous les coups on va être mouillés, j'ai rien. Toi je sais que t'es pas du genre à sortir ton téléphone pour filmer. Par contre, t'es un gars à 3 mètres l'avalanche, elle est là, tu fais. Mais dis donc, je vais basculer vers l'arrière. Oh j'ai une histoire à vous raconter un peu pareil. J'étais dans un glacier en Antarctique. Et... Oh là là, mais c'est pas possible, putain. Tout est vrai. Sans déconner. Mais c'était pas en Antarctique en plus. C'était en Arctique. Le hant est faux. Et il y a ces gros débiles du Grand JD et de Cyril qui voient un ours polaire et qui se disent tiens je vais le filmer. Ce qui était genre un peu dans les montagnes comme ça, ils disent bon, du coup il commence à escalader pour l'approcher avec les objectifs. On me dit qu'un ours ça peut aller très vite, tu vois. Genre vraiment il était un peu en hauteur et
pouvait faire 150 mètres, il était sur eux, quoi. Et donc on arrive en bateau, donc le petit bateau, on arrive, on accoste, ils descendent, ils s'approchent. Et moi je dis, je reste là, je vais garder le bateau, comme ça si jamais vous avez besoin de courir, il sera démarré. Donc je me retrouve tout seul sur le bateau. J'étais le gars dans Jurassic Park en mode monter. Tu vois, moi je suis pas du tout du genre, je m'approchais du délire, tu vois. Il y a le oh my god de c'est super impressionnant et ça va faire des vues, je vais suivant. Ah, bah ça, je leur dis, il y a beaucoup de Canadiens qui nous regardent. Pour vous, les ours, c'est les pigeons, on sait. Oui, c'est vrai. Mais faites quand même gaffe. Ouais, à un moment donné, comme on dit, un grizzly, pas ouf. Deux grizzlies, encore moins bien. Mais trois grizzlies, ça commence à faire beaucoup, là. Ah, les phrases d'Ivan en situation de détresse. Il y a trois ours, là, non? Hein? Je sais pas si j'ai bien fait de manger du bacon à midi. Oh la vache, ça part direct. Ah ouais. Oh pas si dingue, hein. Elle a pas bien capté ce qui venait de se passer, je pense. Elle vient de se dire, tiens, je vais mourir. Là, c'est chier dessus, vraiment, 100%. Hop là là, hop là. Oh my god, I got that on video. Tu ne sors pas. I got that on video. T'as entendu? Non. I got that on video. Me too. Connasse. T'es même pas encore sorti d'affaire. Il peut remettre un coup de pression. Ouais, c'est bon, j'ai filmé. Là, c'est à se demander s'il venait pas chercher ça, quoi. Oui, gouzi. Faut que je vous montre un truc juste rapidement. Regardez ce que la régie a mis pour me rappeler de vous demander d'envoyer poule au 92 050. Ça, c'est. C'est une poule avec un micro-cravate quand même. C'est une poule sur un micro-cravate. Absolument. Envoyez poule au 92,50€, 2€ de dons à l'association Enfants du Désert, dont je suis parrain. Vous avez déjà cumulé 35 000€ de dons, ce qui a permis de faire une opération du cœur à une petite fille dans le sud du Maroc. C'est incroyable, j'en ai parlé sur Instagram. Ça fait des dons de ouf, ça fonctionne, ça fait un an qu'on fait ça et c'est incroyable. Merci. On continue. Oh non ! Oui ? J'ai coincé le machin dans les cheveux là. Qu'est-ce qu'elle fait, la tête de tes morts là ? Ça va brûler si ça brûle. Ça va brûler, ouais. Ça va brûler les cheveux. Oui, je l'ai débranché. Elle est en live. Ah bah voilà. Bah ouais. Ça brûle. Mais je fais comment? Ah bah voilà, j'ai plus de cheveux. Voilà, voilà. Ah, ah bah voilà. Deux jours plus tard, elle est dans la rue, elle a le truc qui pend. Et voilà. La meuf toute sa vie. Je couperai pas. Suivant. Aïe aïe aïe. Ah, si je peux me permettre, il va y avoir une vague là, non? Ah, c'est bien, tu le mets, ouais. Mais en même temps, tu peux rien faire là. Tu vas pas aller sauver, tu vas pas faire le héros là. Oh là là. Wow, la vache. Il s'est fait découper. Normalement ils arrivent à ralentir mais là Alors astuce. Oh, astuce. C'était incroyable ce plan, ouais, en vrai. La violence. Putain, c'est un plan de film. La voiture qui saute, c'est incroyable. La voiture elle est encore utilisable. Bah petite pensée pour la personne en 77B voiture 14 juste. Ouais. Ouais, pas à jour la révision de la Toyota. C'est ça, là. Exactement. Il est en train de se filmer en TikTok. Putain. Alors, il doit avoir un truc lui. Je vais voir le plan de cette fenêtre. Il y a pire. Vous l'avez vu ou pas? Non. Un avion qui se crache dans un train. Ouais. Un quoi? Avion qui s'est crashé sur un passage à niveau et il y a le train qui passe. Non. Et ils extraient le pilote, genre. Ça vient de sortir, frère. Il y a deux jours. Metro commuter plane obliterating this small plane at about 60 miles an hour. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste c'est le même train. C'est deux heures plus tard. Le conducteur a fait oh non, pas encore. C'est incroyable. La probabilité, mon gars. When you think you can hold it and give birth in a gas station. Non. Une gas station. What the fuck. Dans la station service. Est-ce que Montserrat Caitlin est devenue une star sur TikTok? Le problème c'est que les gens s'habituent à ce genre de contenu. Ils disent bon alors quand est-ce que t'accouches dans un ascenseur? Ça va, oui. C'est ça une édito. Mais oui. Faut qu'elle repasse. Un TikTok tous les 9 mois, bon, c'est pas vrai. C'est vrai. T'es né où à Total Energy, quoi? Est-ce que tu penses que le gamin, il a essence illimitée chez Total? J'espère qu'il a des sandwichs en triangle et l'essence gratos. Oh, wow. Ah! Oh là! Ah ouais, on peut s'arrêter là. Non, après, pour l'instant, je comprends qu'on filme dans un volcan. Parce que tu te retrouves pas par hasard au cœur d'un volcan en fusion. Ouais. Donc là, tu filmes. Mais... Oula! Il est pas serein sur son audio, tu vois. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Je faisais simplement une randonnée en montagne. T'as vu, chérie? Oh la vache! Ouais, ça qu'est-ce monte qu'il fait? Ça monte? Il a enlevé son, ah, il son gant. Il sort son téléphone. Il a enlevé son gant. Il sort. Non. Le... On est au top de la world. Non, c'est fake.
C'est possible. Ma gueule. J'y crois pas une seconde. Mais arrête, Etienne, laisse-nous profiter de la vie. C'est vrai, mais... C'est vrai que si on détourne toute cette partie-là et qu'on met un gros fond vert, ça fait ça. Est-ce qu'ils ont vraiment été dans un volcan pour faire croire mais que... Mais c'est un scientifique. Les scientifiques, ils sont aussi gauleries, hein. Faut pas croire. Hein. Ouais, je sais pas. Ça, c'est faux. Ah, non, ouais, tu vois. Ça, c'est faux. C'est pas... Non. Ah, non. Bon, bah, triste, du coup. Je suis déçu. Nous. Alors, les requins, qu'est-ce que tu disais sur les requins tout à l'heure? Mais ils sont hyper sympas, les requins. C'est un bel animal et on lui, il a une mauvaise répute, alors qu'en vrai, c'est adorable. Un bon requin, oh, c'est non, vraiment... Non, non, quand même, là. Le regard, c'est brusque. Coucou, c'est Brucey. Mais lol. Il y a aucun problème, sauf quand t'avais oublié une petite plaie buccale. Oui. Ah, c'est le sang. Non, c'est le gros cliché, mon gars. Je connais rien. Pas, j'avoue, on sait même pas ça non plus. Putain, mais c'est quand même dingue que notre cerveau nous ait... qu'on se soit fait matrixer. Mais de ouf. Mais en vrai, il y a des accidents de requins. Il y a des gens qui meurent bouffés par un requin. Ouais. Ça part de là, la peur de. Je pense. Mais... Bah, en Australie et tout, je pense qu'ils font moins les malins, quoi. Mais il y a quand même vachement moins de films sur des voitures qui tuent des hommes, quoi. Ah, c'est vrai. Voiture nado, j'ai pas. Hey yo, opération des dents de sagesse, check. Outfit. C'est génial, ouais. J'adore. Alors là, par contre, là, je valide à fond. Incroyable. Avec la musique, c'est trop bien. Très, très drôle. J'ai pris rendez-vous ce matin pour mes dents de sagesse, ça ne me rassure pas du tout. C'est pas la même personne. Suivant. Voilà, alors ça c'est, bon, en fait, c'est des compis que je regarde tout le temps, quoi. C'est terrifiant, quoi. Ils vont disparaître, ces gens. Et ils sont là. Ah, trop marrant, c'est lui. Et le problème, c'est qu'après, il trouvait pas ses copains. Du coup, c'est ça, on était quatre, non? Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo réaction. C'était la vidéo de rentrée. J'ai passé un moment là. Moi, je suis trop content. Oh là là, vous attendiez vraiment. Moi, j'attends là. Non, mais de toute façon, moi, j'étais prêt. En plus de ça, hier, je suis allé faire un test Covid. Il était négatif. Bien joué. Mais rassurez-vous, il était positif à la bêtise. À la douceur aussi. Ça faisait 3 jours que j'étais chez moi sous une couette à me dire quand est-ce qu'on reprend. C'est pas vrai, ça faisait 3 semaines. Là, c'est la fin de cette vidéo. Une autre, hop là, qui vient d'apparaître sur l'écran. Si vous avez envie de continuer l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine. Merci, Yvan. Merci, Etienne. Merci.